C'est très moche, y a pas de musique sur la création. C'est pas grave. Vite fait. Je suis à la création de personnage. Voilà. En fait, ils ont oublié de mettre une musique sur le lancement de la campagne. Bon, c'est un petit Assigned Access encore pour l'instant, donc y a pas. Y a rien de dramatique. Content que c'est sorti. Voilà, gros plan pour le départ. Alors, on a droit entre 6 races, quoi, elle a un plus d'XP pour les troupes, ça peut être sympathique. Moins pénalisé dans la neige, ok. Aucune idée s'il y a beaucoup de neige ou pas. Construction speed, ok. Réparation aux antièges, etc. Caravane 30% plus moins cher. Et. D'accord, moins de pénalité sur le. Sur... Je ne sais pas à quoi elles sont liées, les pénalités pour le trade. C'est des taxes ou autre. 10% de speed, d'accord, ok. On est plus rapide avec les mecs à cheval durant la map de campagne. Alors ça se passe en deux parties le jeu. Bon, on va voir si c'est comme le 1 déjà, je suis même pas sûr. Normalement oui, mais bon. Bah écoute, je préfère avoir des troupes qui évoluent bien au moins et resteront en vie plus longtemps. Random, hein, ce sera plus simple. Où est-ce que c'est random? Tac. Qu'est-ce qu'on fait? Du bourrin, du pas trop bourrin. Oh la vache. Ah, du full random, mais bon. Voilà, je sais pas ce que la différence entre le randomize all et le randomize, mais bon. Alors, on peut bloquer des choses. Mais... D'accord, on randomise que le truc courant. Alors, on randomise tous les onglets. Ok, cool. Allez, en mode bien bourrin. Ah, on va pas, on va pas une présélection? Ah, si, quand même. Tellement pitch que j'entends plus rien, ok. C'est plus aigu. Voilà, plus grave. Et trop grave, j'entends plus rien, ok. Avant d'avoir mis la voix à côté de la voix à la taille. C'est logique. Alors, est-ce que je fais... Oh, faut voir le combat quand même, faut être grand. Oh, ça fait une bonne carrière. Allez, tac. Ouh là là là. J'ai oublié qu'il y avait toute cette partie-là. À savoir quels sont les bonus qu'on va avoir de la base, d'accord. Ah, vous êtes né d'une famille de barons, ok, urban merchant, des marchands. Yeoman, c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Blacksmith, c'est le mec qui forge, le forgeron. Chasseur ou mercenaire. Alors c'est quoi? 10 skills on focus, roguery on crossbow, ça peut être sympathique. Arbalète, hein. Au cas où. En même temps c'est visuel directement ici, c'est cool. Cunning, que c'est? What was up? Ok, c'est le. C'est la compréhension, c'est l'empathie en fait, ça diminue. Prendre les actions des autres. Tactique, roguery en fait. Pas que, non, c'est plutôt dans le combat apparemment. Si elle sera plus là. Charme. Ouais. Ça dépend ce que je veux partir sur. C'est pas facile. Oh, je peux passer des heures sur les créations de personnages. Du full marchand, ça peut être sympa, mais pas pour le début, malheureusement. Et en même temps, va falloir du pognon, donc ça peut être utile. Allez, je vais partir sur du cross. Sur. C'est quoi là? C'est du cunning crossbow, donc arbalète, ok. Et scout et reconnaissance. Sinon, ça c'est roguery. Experience with the darker side of the human life. Ok, donc la partie sombre de. Can tell when gathered. Someone. Ok, on sait quand réagir, comment face aux gens en fait. On comprend les gens totalement. Même si c'est plutôt pour les côtés négatifs, mais bon. Ça sera sympa pour les discussions avec les autres. En étant jeune, vous avez noté que vous aviez un fort leadership. Ok, pas mal. Vous étiez your brand. Vous avez remarqué votre brand, c'est quoi your brand? C'est plus la position. Are you a big another one on any scrap you should have. En gros, t'es un connard quoi. Quel bordel là. Est-ce que je comprends?
Alors, on était très pointilleux, on pouvait en trouver le détail. On était très bon avec les chiffres. Ça peut être sympa pour ce que je vais faire justement, soit beaucoup de trading, mais ce sera après le trading, la vente et le commerce. On va faire un bon combattant en plus du. Je veux faire un bon. Je pense que je vais partir sur ça. Un mec qui est très très bon socialement et combat. Puis le reste, on verra plus tard. J'imagine qu'on pourra upgrader au fur et à mesure. Leadership, je pense que ça pourrait être prime pas mal. Leadership ici. La tactique. D'accord. Ah, j'entends un cheval loin. Il y a un peu d'ambiance finalement. Il n'y a pas juste rien. Charme, ouais, ça peut être sympathique. Allez, tac. Je sais toujours pas me battre, mais c'est pas grave. En grandissant, vous avez passé beaucoup de votre temps à construire des baraques, dans les marchés et les caravansérails, à lire et à étudier, à travailler dans les étables, dans la ville, dans la garde de la ville, s'entraîner quoi. Dans le terrain d'entraînement de la ville, de la garde. Ce qui peut être pratique. Ah, si je veux faire du full social, hein, ça peut être pratique. Bon, je sais toujours pas me battre, mais je commence à être bon pour le charmer des personnes, donc je pourrais. J'espère recruter du genre. Alors, in what un Calradia, especially une frontière. Dans les frontières tribales, les zones de frontières tribales. Quelques femmes, as well as men, as learned to fight, ont appris à se battre très tôt. Et vous, you stood guard with garnison, ok. Vous avez passé du temps à la garnison de la garde. Woods with scouts, on a passé du temps avec les putain, ceux qui font la reconnaissance. Puis un peu plus que ça, mais bon. Train with the infantry, on s'est entraîné avec l'infanterie. John the Squirmisher, je vois pas ce que c'est. Ok, c'est des gars avec un bouclier de merde, bouclier de facture et armes, voilà, qui rejoignent. En gros, c'est en dessous de la milice, quoi. C'est pas du civil, enfin, c'est pas du. La milice, mais ça doit être ça, en fait. Way to stay out of reach. The main enemy forces. Ok, c'est les trucs de secours, quoi. Match with the camp followers. En gros, c'est l'aide de camp, quoi. C'est quand une armée se balade, il n'y a pas que des soldats, il y a un peu de tout. Et bah, tous ceux qui vont aider au camp en chercher de la bouffe, préparer le camp en soi, etc. Ça me montrait bah, mon roguering qui est pas mal. Bon, je sais toujours pas me battre, mais c'est grave. J'y crois. Franchement, engineering, c'est mon fou à vrai dire pour l'instant. Ça peut être sympa de savoir mieux se battre quand même, mais bon. Bon, ça a remonté typiquement l'arc si j'ai monté l'arbalète. Mais bon. Oh, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, ça me fait chier de monter là, ça. Salut Thibaut. Ouais, il sort enfin, mais en fait, c'est en plus avec de l'avance. Il est censé sortir demain à 18h. Et finalement, là, je vais pouvoir faire une petite partie vite fait, montrer ce que ça vaut. Bah, si j'arrive à finir le création perso. Alors, before you set out of your life adventure, your biggest achievement was. Avant de partir, de dédier votre vie à l'aventure, votre plus gros achievement a été. Vous avez vaincu un ennemi au combat. Vous avez l'idée. Une chasse à l'homme. Vous avez accompli une chasse à l'homme, quoi. Investi. On a utilisé pas mal d'argent dans le workshop, donc dans la construction. Un peu large. On a survécu à un siège. Intéressant. Il y a de famous escapades. Vous êtes escapade, c'est plus un côté mini aventure quoi en fait. Je me trompe pas. You treated people well. Vous traitez les gens bien, d'accord. Un plus bon achievement, c'est de bien traiter les gens. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ça peut être sympa pour moi ça. Ah, la tactique est pas mal. Ouais, on a fait une chasse à l'homme, ça me fera monter mon leadership et ma tactique. Ça peut être vachement utile. En fait, mon but, c'est qu'à terme, de son, le but, c'est d'avoir une armée pour soi. Une armée à soi, et je veux qu'ils évoluent vite et qu'ils sont. On a aussi en renommée.
Et on gagne plus de renommée avec celui-là. Ah oui, là, ce que j'avais pas vu, c'est qu'on monte la. Typiquement ici, si je monte la vigueur carrément. Donc j'imagine tous les éléments d'un coup. Alors que si je prends celui-là, je monte. Ok, ça peut être marrant. Alors, like a family in Caldoria, your life in. Edge les ravages de la guerre, éventuellement. Vous avez vendu votre propriété potentiellement. Toute votre famille pour qu'ils vivent plus. En gros, on a fait ce qu'on a pu pour survivre avec sa famille, quoi. Ah non, c'est pas fait, merde. Tu dis. Bon, bref, la famille, c'est temporaire. Salope. Along the way, l'auberge où je résidais s'est fait attaquer par des bandits. Et vos parents sont morts. Ainsi que vos deux jeunes frères et sœurs. Mais avec mon frère, on a survécu. Parce que. On les a battus, quoi. You drove them off with arrows. Bon, en gros, c'est comment on les a butés, quoi. Ah non, on peut s'enfuir. You rode off, vous êtes enfui avec des chevaux rapides. J'ai tricked, je les ai pas arnaqués, mais pas mes buts, quoi. Je comprends aucun mot, c'est horrible. On les a leurrés. You organize the travelers to break out. Tu vois? En gros, j'ai utilisé les hommes autour pour m'en débarrasser. Ah, les deux m'intéressent. Les deux derniers, là, monter mon cunning, mon social. Ouais, c'est plus intéressant de le tricky. Donc, on se recueille avec mon frère. C'est pas mal déjà. Hop! Vous préparez avec votre frère partir à une mission de vengeance et de rescue. Et enfin voilà le nom de votre nom, le nom de votre personnage. Voilà et tous les bonus qu'on a chopés. Et c'est parti. Alors, les troupes alliées reçoivent un tiers de dommages, deux tiers de dommages. Normal. On peut pas mettre, ils prennent plus de dommages. Friendly parties receive damage. Différence entre le troops et le parties. To your areas, you know, command. Ah, ça c'est mes troupes, et ça c'est les troupes d'alliés. Donc, les alliés, je m'en fous. On prend un peu plus de dommages. Parce qu'après, ils peuvent se foncer mes ennemis, donc il faut qu'ils perdent un peu de troupes quand même. Hein. Player receive. Bon, après, je referai les parties, je pense, en plus dur. On a déjà testé comme ça et on prend bien. Mais par défaut, c'est qu'il y a des raisons. Player receive damage, donc là c'est forcément mes dégâts à moi. Recruitment difficulty. Ah, ok. Donc ils sont vraiment généreux, sur les commandes par défaut, c'est tout en super facile. Et on est 10% plus rapide, sinon 5% ou ok. Choose if the hero are able to die on battlefield. Bah, j'ai envie de te dire, si les héros peuvent mourir sur le battlefield, pourquoi c'est décoché? Ça me paraît très logique qu'ils peuvent crever. Bon, après, on verra avec le jeu. Location of perk for a member of your clan. D'accord, donc on peut rajouter des perks, donc des capacités en plus à nos membres. Mais bon, c'est décoché, j'imagine que par défaut c'est pas prévu. Enfin, ils en prennent forcément envie. Après, c'est une early access, donc j'ai pas non plus envie de changer les configs par défaut. En tout cas pour l'instant. Alors, on est parti pour se battre là, c'est la vengeance. Ma sœur! Ça fait 3 jours qu'on traque ces bâtards. Ils sont proches. On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Think about. Oh, ouais. Et comment on va sauver Varric et Alda, j'imagine que c'est le nom de nos sœurs. Et frères. Are we up for fight? Est-ce qu'on est prêt pour se battre? This reflects on all training field on the Legion, perhaps we can spend time. Ouais, on est encore. On peut encore s'entraîner sur ce terrain d'entraînement. Et on peut s'entraîner assez gentiment. Donc, ok, c'est pour faire le tutoriel. Bah oui, bien sûr. J'ai besoin de savoir comment se battre pour avant d'avancer.
Let's go! Alors, cette QSD, c'est nickel. D'accord, donc on a toi 3 terrains d'entraînement, ok. Je sais pas si je vais avoir assez, donc on va peut-être s'entraîner d'abord aux armes de mêlée. Ça rappelle un petit peu l'entraînement de jeu, mais bon. Tant mieux en même temps. Merde, comment je le prends? F, ok. Je crois que d'ailleurs je suis plus entraîné sur le combat à une main, mais c'est pas grave. Okay, c'est toujours ça. Ça dépend des mouvements qu'on fait. Les femmes universelles, je veux bien, mais attaque pas ce con. Tac! Je veux bien défendre from left, mais comment je cible? Voilà, je défends. Bon. Il peut m'attaquer. Faut pas s'enfuir. Les ennemis à proximité, apparemment. Tu peux frapper, s'il te plaît? Sinon, je te frappe à mort. Pas plus haut, hein. D'accord. Tu peux frapper, s'il te plaît? Bien, frappe. Ok. Bon, j'ai pas bien compris, mais. Ah, d'accord, faut d'abord placer et après ton autre. Je vais la piger encore. D'accord, on peut vraiment diriger. Ok, c'est comme les armes, en fait, c'est comme pour frapper, on peut bouger. J'imagine que vous avez déjà compris ça depuis longtemps. Et déjà on bouge la souris et après on peut sélectionner le côté qu'on veut protéger. Ah merde, faut que j'attaque, putain, je suis con, j'avais pas lu. Ok, au revoir. Tu vas crever! Eh bien, faut que je défende. Si je me trompe de côté aussi, ça marche pas. En même temps, il me dit attaque from wild et il me donne le curseur pour attaquer de l'autre côté. Pareil, il me dit descendre alors que. Attaquer depuis le bas. Choose another weapon. Ah, mais c'est bon, je me barre. Non, mais au revoir, les gars. On va ça sur le champ de bataille. Alors, par contre, cheat, j'ai l'habitude de faire cheat là pour courir. Et c'est pas pour courir, c'est juste pour zoomer. Putain, à chaque fois j'appuie sur eux. C'est très sympa qu'ils aient foutu le coup de pied. Ok, faut juste rester appuyé sur le clic gauche. Au moins c'est simple.
Ouais, ça va. Merde. Reste appuyé comme un con. En fait là j'ai appuyé une fois, ça recharge, reste appuyé et ça vise. 30 secondes, c'est de la merde. T'as moyen de courir là, efficacement. Merde, gore. Trompé de touche. Mais excuse-moi. Désolé le cheval, hein. Je suis vraiment désolé. Ok. Alors ça c'est toujours le plus dur. Faut pas être trop proche, faut pas être trop loin. Merde. Je pensais que ça passerait. Totalement à côté de la plaque. Et merde. Elle est trop courte mon épée. Putain, je vais prendre tous les poteaux. Putain. C'est ridicule ce que je fais. Est-ce qu'on peut sauter? Oui. J'arrête de viser vers le haut. Oh, je tapais à côté, franchement, c'est abusé. Prêt? Allez, j'ai pas besoin de bourrer vers l'avant, d'accord, ok. C'est pour ça que je tapais vers le haut, c'est pas sur deux. Comment je descends? En même temps, vu qu'on s'est précisé directement, c'est que plus facile. Il vient de se mêler, ok. Ok. Oh bah c'est parti, je suis prêt à combattre. Je vais tous les massacrer. On est prêt. Ok, alors, you are at. Ok. Non, mais j'ai pas envie de revenir au combat. Entraînement. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Avant d'aller où que ce soit, on a peu de nourriture. Il y a un village à côté, tu pourras acheter des provisions. Alors, Negative Calderian, on peut explorer le monde avec les ZQSD, logique. Ou en utilisant la souris, clic droit, clic gauche. Ok. Moving a party is done. C'est parti. On peut y aller. Hein. Et donc j'ai que deux personnes avec moi. J'ai une troupe de deux. Une infanterie et un cavalier. Enfin un tutoriel. Entering settlement. Pas mal lu. Ok, donc juste bonjour le village. Et donc on va rentrer dans le village physiquement pour aller parler avec tous les gens. On a besoin de nourriture, peut-être que quelques hommes viendront aussi avec nous. The headman here probably help. Il faudra aussi trouver un headman, donc le dirigeant qui pourra peut-être nous aider. Allez trouver le dirigeant du coin. Alors, il y avait déjà pas mal de ces mécaniques comme ça dans Newton Blade 1, mais la plupart des dialogues où tu pouvais aussi les faire sans rentrer forcément dedans. Ok, la maison la plus belle du coin, c'est clairement là-bas. C'est souvent là où il y a le dirigeant. C'est éviter de mettre toutes les bestioles sur le chemin. Pourtant, il y a carrément des trous dans leur truc, donc bon. Dans leur clôture. Ah, bah ça peut servir d'une auberge que maison du chef, mais c'est pas grave. Ah, c'est marrant ça, il nous montre que quand tenez, il n'y a pas de flèche pour nous dire en quelle direction c'est. Comme ça, c'est quand j'appuie sur Alt que ça me donne ça. Ah,
Par respect, comme faut le son du cheval. Alors, Temptation, je suis le dirigeant du coin. Nous avons besoin d'aide. Nous avons trouvé des bandits ont récupéré notre petite sœur et petit frère. Ils les ont capturés et on a besoin d'aller les sauver. They got two people too. Ils ont aussi nos hommes. Désolé d'entendre ça. Ces bâtards ont tué et looté pas mal de choses. C'est des connards. We think they have got north. Ils sont vers le nord, ok. The Reclon. On va se joindre à vous pour les faire payer, bien sûr. Merci. On a monté les troupes, c'est cool. C'est facile à récupérer. Ok, ça fait quand même pas mal de messages. Ouais, si je veux, bon, quand tu dis juste des succès. Hein. Tell me again. I may have to ask for you after the raiders. Ouais, donc ils vont venir nous aider, c'est cool. Et t'avais pas des vivres aussi? Merde. J'ai pas tilté que c'était pour quitter le table. On a récupéré 4 hommes. Ah, mon frère m'a demandé de recruter au moins 4 hommes avant de partir chercher les raiders. On peut recruter des troupes au niveau des villes et des villages, j'imagine. Donc il y a Sagona qui est par là-bas, ainsi que Colnaros. Et le nord est où? Est-ce qu'on a le nord dans le coin? On va voir où sont les brigands. Ah mais ça coûte cher en plus. Bon ça j'en ai 1000, c'est pas mal. Allez, on prend tout le monde. On va faire une room. Ah faut que je les paye en plus après. Et acheter de la nourriture, forcément, you should purchase, ok. Ok, acheter de la nourriture, il nous faut 2 sacs de grains. Ok, très bien. 2 sacs de grains. On a fini nos préparations, et et en plus ils seront contents. D'accord, quand je... Oui, ok, c'est vrai que toi aussi. Glad to see you... Bon, tout ce qu'il faut, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un docteur... du nom de Tactéos, qui traite les gens pour gratuitement. Qui sculpte gratuitement. Lassoim... Portait une sorte de coffre vraiment mystérieux, en tout cas. Sorte de... Il a pas voulu dire ce qu'il y avait dedans, etc. Quoi, il set off the road. Il a quitté les routes avant que les bandits arrivent. C'est qu'il est mieux pour lui, quand même. J'espère qu'il s'est pas fait capturer. Un peu vite, mais bon. If we can keep. Bon, en gros, si on peut le sauver, c'est quand même mieux. Ok. Et ben, on se barre. Alors, nous, on a. J'ai récupéré 6 hommes plus mon frère. D'accord, ça, c'est les personnages qui sont dans le. Dans la ville où je suis. Ok. On va voir d'abord ça avant. Il faut. Allez secourir le voyageur. Brancher pour bouger. On va enlever la pause. Poste curseur. Ça coûte 1, mais ok. Je sais pas c'est quoi les focus points. Apparemment j'ai 1 point. You can use a focus point for increase your laning. Ah d'accord, c'est dans celui-là que j'en ai mis, ok. Oh. Moi je suis un commandant né, voyons. Et j'imagine que tu dois gagner enfin, le 1, ça te donner à part un bonus. Ah, flèche le choix entre les deux, ok. Small XP bonus per day, ça peut être sympathique. Medium XP bonus per day, tier troop. Alors, c'est quoi les tiers 1, 2, 3? Est-ce qu'on n'a pas 4, 5, 6 des tiers? Dans ce cas, je vais donner.
qu'on a là. Ouais. Pas forcément ce qu'il y a d'intéressant ça pour moi, mais bon. Pas envie d'aller looter des villages. When you choose your safe, the first time I have 10% chance to gain two. Ok, on peut gagner de la relation directement quand on rencontre de nouveaux interlocuteurs, des nouveaux chefs. Et ah, j'aime bien avoir des pénalités en moins, que c'est pratique. Allez, c'est pour tout le monde. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ok. Et donc, je pouvais monter un cran si je voulais. Ça pourrait être pratique de monter quelque chose, une arme. Pourtant, ce sera bien pratique d'avoir plus de trading. Au 25, d'accord, pour accès à ça. Ok. Voilà, bref, comment je fais pour attaquer pour le coup? Ah, il faut que je livre d'abord. Forcément. Je peux pas leur parler, c'est dommage. Ah bah c'est gentil. Oula, il y a de la commande. Attack! Now! Yaaaap! Je l'ai raté. Salut! Putain, je... Chaque fois j'oublie. Bon. On va arrêter de faire le con. Heureusement que... Voilà, on est bien. Tu vas crever. Et j'ai raté. Faut pas taper sur les côtés. Merde. Merci. J'ai pris cher en plus. Ah mais on a déjà que de la cavalerie. C'est un peu abusé. J'en ai tué un. Ouais. Et mon frère en a eu un aussi. Bon. Et donc on en a récupéré deux en prisonnier et on a tué quatre. Après une dure bataille, vous avez le choix entre choisir de recruter les gens ou les faire prisonniers ou carrément de les sauver, j'imagine. Ok. Ah, c'est ouais. En fait, une fois qu'on les a mis en prisonniers, on a une chance de les récupérer après. Bon, après, ils ont l'air d'être bien pourris par rapport aux hommes que j'ai donc. Là c'est quoi le L? C'est le niveau. D'accord, ok. Donc ils sont niveau 6 par rapport à ces mecs qui sont niveau 21. Ouais, je suis niveau 1, bon ils sont meilleurs que moi. C'est pour ça qu'ils m'ont fait mal. Et l'équipement, bah on est au début donc on va tout prendre. Surtout, je dois rien avoir à tous les coups. Tac. Ouais, c'est des bottes qui font. C'est moins bien que ce que j'ai, ok. C'est moins bien que ce que j'ai, c'est bizarre. Ah si, meilleure armure quand même. Voilà. Voilà. On va quand même prendre ce qui marche. Comme arme, ils ont... Ok, moins bien. Ok. Bah c'est pareil, parti pour le suivant. Ah par contre j'ai les hommes sans cheval... les prisonniers me ralentissent j'imagine. Ou j'attaque les deux en même temps là. C'est pas forcément une bonne idée. Les gars. Vous êtes prêts? Faites-moi un carnage! Ah putain, j'arrive plus de son swift. Et mon cheval aussi a pris. Oh, je commence à toucher un peu! C'est ridicule, mais je touche! Allez, pas un coup vers le haut.
Yaa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 
Merde. Voilà. Pas coucou panier. J'ai pas quelques coups mais c'était moche. Ah, un sous pas rien. On peut prendre un arc là non? Méchant. Les Johnny sont tout du long de la rivière. J'en vois déjà un là-bas. Hop. Bon, de toute façon, tant qu'on est groupé, on n'a pas de problème. Le nombre qu'ils sont à chaque fois. Ils sont par groupe de 4 et de 5. Raté! Ah, t'as fait me toucher, hein. T'as mis tout seul, le mec? Oh putain, le pauvre. Elles sont vachement plus grandes qu'avant, les maps. Cool. Pas de... pas l'afficher pour savoir où on est. Dommage. Personne là-bas. Hop. J'attends tellement à une embuscade droite et gauche là. Bien sympa. Salut les mecs! Aïe! Je pensais faire des dégâts avec la lance, mais en tapant dans la tête, mais non, apparemment, c'est pas aussi efficace. Putain, je suis en sang. Qu'est-ce qui vient comme ça pour me faire chier son business en tuant mes employés? Il paraît que t'as pris mon fa à ma soeur, connard. I need to do better. Je voudrais que tu me donnes un peu plus de détails. Parce que bon, je kidnappe tellement de gens. Des douzaines et dizaines de la région, franchement, tu me fais chier. Et par contre, je les vends dans le marché au sud d'ici, un marché d'esclaves. Ok, since you want to... Vas-y. Yeah. Mais bon, il va commencer à me défoncer, donc... ok, duel. Putain, mais... tu peux me laisser le temps, moi? On peut recommencer. J'ai juste changé d'arme en fait avant de... juste pas eu le temps de changer d'arme. Du coup je recommence sous l'attaque. Oh putain. Il va falloir que je m'attaque même. Parce que je m'attaque, je m'arrête. Ah c'est moche ça, non mais c'est très très moche. Par contre comment on court parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Jam crunch, bon kick bash. Y'a pas de... ah si. Caps lock. Putain, ok. Ça c'est courir. D'accord. Ah, si je pensais en mode marche, ok, non, putain, j'ai mal lu. Donc je suis déjà à fond. Les hommes me rattrapent super facilement, mais moi je suis déjà à fond, ok. Allez-y, vous êtes plus rapide que moi, défoncez-les! Je pensais esquiver. Allez-y, foncez, foncez, foncez. To hell with ya. On aurait au moins eu un. Donc là ils sont en mode course sur les ennemis, donc ils savent à peu près où ils sont apparemment vu comment ils sont groupés. Un mec là? Ah oui! Vous avez pas vu son petit lit. Bon.
Est-ce que j'ai une chance? Attends, deux secondes. Voilà. Hop. Ok, du Sparfel. Voilà. Je veux mais. Alors, toujours pareil. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est vachement plus honorable de faire un duel. Mais. Je suis pas un combattant. Vite, les gars, tue-le! Ah bah il est mort. Bon ok. Par contre j'adore le système... Alors, j'en chie, mais j'adore leur système de blocage. Bon ok. J'arrive vraiment pas à viser, à mettre le blocage là où il faut. Vous pouvez le tuer les gars s'il vous plaît? Vous êtes cons? Les mecs! Les mecs! Vous êtes stupides là! Merci! Alors j'ai perdu un homme, mais bon, tant pis! Hein. Je suis pas un combattant! Il reconnaît sa défaite, ok. I'm going to be. Okay. Je serai votre prisonnier. Et laissez-moi introduire, je suis Radagos. Pas besoin de couper ma gorge. J'ai plus de prix, de valeur vivant que mort. Bah, à condition qu'on récupère nos frères et sœurs, hein, mec. Alors, quelques instructions à suivre de sa part si on veut sauver notre frère et sœur. If you drop. On va aller jusqu'au début d'une rivière, d'accord. J'ai presque envie de le buter quand même, mais bon. Ouais. Des mecs en prisonnier. Personne, 3 plus 2 week. J'espère que c'est pas à la paye parce que je vais pas pouvoir les payer très cher. Il faut quand même jouer à cette chest. On va trouver un super coffre, super. Tac. Et c'est reparti pour un dialogue. Salut Fugball. Et salut Sparfell aussi. On a fini Sniff. Alors ça c'est mon frère en cas où, pour ceux qui arrivent. Il est en anglais et je crois qu'il est aussi en chinois et en turc. Je sais plus un truc comme ça. Mais il est pas en français non. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est à l'installation qui te demande à quelle langue tu veux faire. Je crois que c'est le premier jeu de Steam que je vois ça quand, que je vois comme ça. En général c'est dans le jeu que tu spécifies la langue. Là c'est carrément à l'installation. Allez, on va ransommer les gars. Alors, on va pouvoir se faire connaître en tant que famille. Bah, canard boiteux. Je pense que c'est pas mal. Boiteux. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est pas grave. Une audience. Hop là. Qu'il n'est pas assez. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah, c'est sympa les petites runes comme ça. Petites runes nordiques. Bon, c'est dégueulasse sur le bouclier, mais bon. Après, il y aura des plus gros boucliers, j'imagine, après, donc ce sera plus facile à voir. Alors, moi, je suis un marchand. Ah, tu peux mettre en gigantesque, d'accord, ok.
couleurs de l'espoir. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est un IRSS pour l'instant, donc ils vont l'upgrader au fur et à mesure. Ça va, donc le français arrivera comme d'autres langues. Merde. Tutoriel est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Et je suis tout seul avec 1000 de pognon. Ok. Bonjour la caravane. Être à côté de la caravane pour les bandits là. Tu merde. Bon bah. ouais, tu avais le Mountain Spirit. Bon bah écoutez, moi je suis joueur, je vais crever encore. Dix contre un. Putain, j'avais tellement... Ah, putain, aussi les chevaux. Mais au moins. J'ai pas d'arme à distance, enfoiré. Sois fair play, s'il te plaît. Bâtard. Mon pauvre cheval. Reviens ici! Où épuise ses munitions à la rigueur? Alors j'ai pas de bouclier, j'ai pas d'arme à distance! Je m'en chie! Viens là! Ah! Come on! Je crois qu'il a plus mis sur licence? Ah non, et si, y en a encore. Et raté. Alors il y a vraiment une... C'est un entraînement à avoir pour taper correctement. Merde. Hop. Ferme ta gueule. Accélère. Alors les dégâts dépendent aussi de la pièce. Hein. Les petits saquels on va avec le cheval ou soit augmenter les dégâts. Heureusement il n'y a pas d'endurance sur le cheval parce que sinon je serais mal barré. Il est plus rapide. Connard. Comment tu veux être plus rapide, enfoiré? Et merde. Je vais crever. Comment je peux me rater à cette distance? Rendez-vous! Votre chef va crever! Alors j'ai aucun équipement, hein. Forcément, ça va pas aider. Et j'aurais clairement dû me rendre. Et je peux encore me rendre d'ailleurs. Reviens là, espèce de lâche. J'ai 10 hommes à buter. Ouais. Ah oh, putain, je... Pensez être hors de portée de la lame pour frapper mon par même. Ah ouais, je suis mort. Je me prends deux coups plus, je suis au tapis. Voire un seul. C'est ridicule. Je peux me rendre, les gars. Vous voulez pas? Pourtant, Arthur, merci. Ah putain, mais ils ont plus de portée que moi ou quoi? Retweet, retweet. C'est la lose. On va sur Under. Voilà, capturé par les bandits.
Bon, j'aurais aussi pu me laisser buter jusqu'au bout, il m'aurait sauté la même chose. Hein. Mais bon. Roby Joker, ok, il faut que j'ai 2000 deniers et que j'ai 20 hommes avec moi pour faire un nouveau. Refaire mon clan. Là, je sais pas ce que j'attends. Est-ce que quelqu'un va essayer de tuer ces bandits et me sauver? Est-ce qu'ils vont me rançonner sur un village? Je ne sais pas. Ça peut durer longtemps comme ça. Après, j'aurais payé, ça aurait peut-être été aussi un peu différent encore. Je ne sais pas. À la base, je voulais même pas attaquer, hein. Je voulais juste aller voir la caravane. Et que si je me fais attaquer, la caravane allait m'aider. Ça n'a pas été le cas du tout. C'est des connards, les caravaniers. Après, c'est normal, souvent dans le jeu. Ah, après, plein de fumée. J'ai trouvé une chance de m'enfuir. Ok, j'ai carrément 0 soldats pour moi. Oui, j'ai réussi à me barrer comme un gros lâche. Un gros lâche. Ok, il y a tout ce qu'il faut comme... Donc des pilleurs, looters et pilleurs. Bon, bah, il va me faire des hommes de toute façon. Ou impérial, sympa. J'imagine qu'il faut être bien vu du village pour pouvoir acheter les meilleurs mecs. Allez, je vais me sentir obligé. Et il faut bien sûr faire un peu de bouffe, sinon ça ne sert pas à grand chose. Alors on pourrait acheter aussi un mouton, pourquoi pas. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs. Je sais pas si on peut choper une quête. J'imagine qu'il faut aller parler avec le mec à l'intérieur. Ah merde, c'était en haut à droite. Et que je clique sur le gars. Après, je m'en fous d'aller voir le village, mais... Salut. Voilà, bref. Bonjour. Oh, ok. Il a rien pour moi, c'est dommage. Auteur, vous êtes. Ok, c'est tout lui en fait qui va m'intéresser finalement. Headmaster. Je suis machin, qu'on s'en fout. Ah bon, il n'y a pas de mission pour moi pour l'instant. Le problème, c'est que je suis un peu mal en point. On va cesser le temps de se régénérer un peu. J'aurais pas dû acheter mes hommes maintenant. Elle. Faut que j'aille me venger un peu, hein, parce que bon. Normalement, je suis plus rapide, donc ça devrait le faire. Juste c'est des renforts à 20 à qui ça pourrait faire chier. Qu'est-ce que vous nous voulez? Bah rien, vous pouvez y aller. Hein. Faut pas rêver, ouais. Je peux envoyer mes troupes pour attaquer. Ouaf, comme attaquer. Quand même. Ah merde, c'est au sol les mecs. Bah attaquer. Alors ah, on peut revenir demande de... Qu'est-ce qu'on peut redire de beau d'ailleurs? Salut, attendez, désolé, je rentre en train de les commandes. Ah, sympa, il y a quand même pas mal de commandes, mine de rien. Alors, faut l'entraîner à la lance. Tant que j'étais dans les ordres, je peux pas taper, d'accord, ok. C'était un poil relou, ça. Bah, merci, les gars. J'ai rien foutu. Et j'ai eu un mort. Est-ce que ça vaut le coup de les récupérer? C'est même pas dit. Bon allez, je les rançonnerai au pire. Je pourrais les vendre
En tant qu'esclave. Eh ben, ça fait moins de dégâts, mais ça a une meilleure allonge, donc bon. Mais de très très peu. Donc, Osef. Ah. Clic, ça marche pas. Dommage, ça. Putain. Et c'est les mêmes à ceci près que... Non, c'est beaucoup bien. Ok. Bon. Besoin de taper plus de monde. Allez, forcément, je suis rentier que vous avez des gars que je transporte avec moi. On va aller vers une ville pour aller les vendre. Et bam. Juste accélérer le jeu, hein, c'est pour ça que je suis accéléré. Ah, j'ai monté ma compétence de wilding, de... Voilà. Ok, ils me laissent rentrer. Ils sont gentils. La garnison... Je suis... Je peux me parler à moi-même, hein. C'est bien ça. Enfin, je peux parler à mon groupe. Go to the dungeon, je m'en fous. Je suis pas encore assez costaud pour... C'est connu pour aller voir le chef. Rien de particulier. Ami que la milice, ça peut m'intéresser. Non, ok. Où est-ce que je peux rançonner, mes gars? Après, c'était un château, c'était pas une ville. Exactement ce que je voulais. Ah, une arène. Bon, je suis pas un combattant, donc c'est mort. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Je suis un relativement bon commerçant. Relativement. 22 000 à l'arbalète. Un bouclier, déjà, me ferait plaisir, en fait. Juste un bouclier. Ok. Oh, il y en a des renflers, ok. Voilà. Au niveau des troupes, il y a quoi à recruter? Oh, il y a du monde. C'est de la merde, mais il y a du monde. J'ai pas demandé tout d'un coup. Et après, faut que je sois plus connu de leur part pour. Faut que je sois au moins à 5 de renommée envers eux pour. Recruter les gars en plus. C'est du niveau 10 et là c'est niveau 20, ok. C'était la recrute, ok. Alors il me faut un bal de pognon. Qu'est-ce qu'il y a dans la taverne? D'accord, donc si on a les ressources qui vont bien, on peut faire nos propres armes. Tire super, ok, marrant. Pour l'instant j'ai rien, mais pourquoi pas. Ah, rançonner les mecs, voilà. Éviter la taverne, si on veut avoir des petites quêtes. Et se faire un bal de pognon. Pas un bal, il me faut juste 2000. Gêné. Putain. C'est marchand d'esclaves, j'imagine. Alors, on peut qu'un. Do you want any fighter? Me a 7 de mes hommes. Ah, mais je suis désolé. Je peux en. Ah, je peux en recruter qu'un seul, ok. Ils ont géré le cas. Je suis à 21 sur 21 avec lui. Ok, c'est juste des lambda. Toi, t'es un bon mec. Le sang. Pas du tout. C'est pour les rançons, d'accord, c'est lui. Et toi, t'es qui? Non, on s'en fout, ok. Y'a pas un grand monde. Tant pis. Bon bah, faut retrouver des petits brigands pour se faire un peu de reconnaissance, un peu de renommée, quoi. On peut aussi se balader dans la ville, bien sûr. D'ailleurs, c'est toujours sympathique. Taverne. Ah, c'est bien fait, franchement. Bon, y'a personne, hein, mais.
presque personne. Ah d'accord, c'est un peu plus grand que je pensais, ok. Waterfront, Ironmonger. Ben, il y a du gars quand même. Allez, t'es juste à côté, toi. La taverne est juste là, d'accord, ok. Donc, on pensait, j'imagine, ma taverne ici. Et c'était vite fait. D'accord, on peut rentrer à la taverne, ok. Allez, donc la ville fait quand même 60 mètres de, 100 mètres de long déjà. Viens, toi. Bonjour. Oui, je suis form caravan from this town. Non, j'ai pas une forme de caravane. Et j'ai toujours pas de questions. Ok. Ouais, je suis pas connu encore, hein. Faut le temps de se faire connaître et tout. Break. Ils sont en rouge et c'était des brigands. À la recherche de brigands. Alors le jeu rentre automatiquement quand on approche d'ennemis. Même quand on rentrait là dans la forêt. Il évite de faire des conneries en se faisant avoir en mode accéléré. C'est carrément à chaque fois que je clique en fait. Tu vas crever! Bon, je vais quand même faire le combat. Par contre, je dois m'arrêter là après. Les gars, je vais vous demander une chose bête. Foncez! Et j'arrive, il faut là de cliquer sur le shift. Putain! Mon cheval! Arrête de taper mon cheval! Ça coûte cher un cheval, merde! Ah, j'ai eu un mort. Toi, je t'aurais. Ah, j'ai quand même eu 4 morts. Hein. Dont le mec que j'ai payé 30 balles lui a eu seul, mais bon. On va voir, c'est Never Vigla Recruit que j'ai récupéré pour 30 balles. Je sais pas. Non, le Tuck, ça va être un. Ah, je sais pas. Bon, de toute façon, il est mort. On s'en fout. Et filez-moi un arc, s'il vous plaît. Je puisse au moins. Ah, voilà. Quoi, c'est des flèches, tier 2, tier 2. Bon, de toute façon, c'est le même, ok. Ah ouais, un vrai casque. Il y a beaucoup, beaucoup de farming comme ça. Forcément, hein. Faut le temps de se faire. J'ai oublié un arc. Ah putain, je suis encombré. Je suis encombré. Ça fait chier. Attends, je suis pas un combattant. Mais bon, vive le cheval. Ok. 4 morts quand même. C'est moche. Oh, il y a plein d'événements qui se font en règle, toute une armée qui arrive, j'imagine que c'est pour attaquer des trucs. Bon, je suis pas encore intéressé pour l'instant parce que voilà, mais on va aller le faire rapidement.
Alors, ensemble-moi tout le monde. Et on va recruter un peu de l'archer, c'est cool. Et du bouclier. Par contre, je suis ruiné. Je suis ruiné. Ça, c'est pas bon du tout. Attendez. Et je perds centre. Quand même plus pratique. 16. Ouais. Moi je porte pas ce casque. Voilà. Mieux. Allez, c'est vrai qu'il y a la gestion des armures, bras, corps, etc. Gérer. Ah, mais j'en ai plein, d'accord, ok, je suis con. Bon, bah ça refait un petit peu. Bon, après, je pourrais aussi acheter des ressources et la vendre dans une ville à côté. Pour ajouter les prix, etc. Et vu qu'il y a une gestion des prix, ça se fait plutôt bien. Genre, je pourrais acheter de l'huile. Hein, bon, j'ai aucune idée des prix hein, pour l'instant, donc. Attends. Raconte. Ah, ils ont évolué, d'accord, ok. Donc je peux soit les mettre en archer, soit les mettre en infanterie. Et ça coûte du pognon. Mais bon, c'est quand même pratique d'en avoir. Bon, là je suis pas un combattant, mais le combat d'arène, je pense, aurait été vachement intéressant. Va mourir. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est déjà les archers. Il va falloir les maintenir à distance. Et j'avais dit qu'il fallait que je me... Try to get away. C'est pas intéressant, un peu d'honneur. Arrête-toi deux secondes. Putain de bordel. Get moving! Infantry! Movement! Forward! Forward! Arrowman! Get moving! Charge! Tenez-les! Bon bah je l'ai eu, mais il m'a eu. Voilà, mon flanc gauche il prend cher. Ouais, j'ai level up et j'ai pris super cher dans mes mecs. J'ai dû quoi avoir un tiers de mort là. Oh, je suis obligé de les finir hein. Vraiment c'est pour être sur le level up un peu. Je me prends une flèche à faire de mes potes, ça me ferait chier. Putain, je vais y arriver. Alors c'est l'entraînement hein, avant tout hein. Voilà. Allez, 19 mecs. Non, c'est 19 mecs chez eux perdus, d'accord. Oui, chez moi j'ai 15. 15 seul mort. 5 inconscients. Bon, ça va. Je m'attendais à vampire. Je m'attendais à vraiment vraiment pire. Et hop là. Je serai jamais assez rapide, mais bon. Ok, j'ai des bonus en dans de la forêt, je suis rentré en dans la forêt. Oh bah je vais même faire celui-là. Alors j'ai pas regardé la place que j'ai dans l'inventaire. Niveau place maximum, mais bon. Ouais. Chaque fois je confonds attaqueur et défenseur. J'ai cru que j'avais vu deux morts. Bon après au début on a surtout intérêt à faire les combats soi-même. C'est tout bête mais...
Ça fait plus d'XP. Ouais, c'est une ville à côté. Ah, il pense pour me battre. Ah oui, par contre, mes mecs, les 5 mecs que j'avais, ils étaient hors de combat. Donc là, on va devoir faire le combat de manière très moche. Pas du tout à mon avantage. Comment je fais, les gars? Ils ont combien d'archers, ces cons? Ils vont me buter, mon chat et moi, en même temps. Gâchez vos flèches. Oh putain, j'ai déjà eu 4 morts. Et merde. Allez. Bon bah c'était moche. Voilà. On s'est fait démonter. Comme quoi une pute de flèche hein, quand ils sont assez nombreux. Hein. C'est violent. Bon, ça va pouvoir durer longtemps et pour coup j'ai tout perdu. J'ai pas trop perdu d'or, ça va. Ah, j'avais pas vu qu'on avait un point de vue ici. Cool. Donc ça va si on s'est bien régénéré ou pas. Tu peux me laisser s'il te plaît. Alors pour l'instant je m'en fous, typiquement il va y avoir faire un choix dans un moment, est-ce que je travaille pour moi ou pour un seigneur. Faudra voir ça. Ah bah ça, j'ai trouvé rapidement une chance de m'enfuir. Hein. Donc pour le coup, je suis même pas, je suis pas combattant. Voilà, bref. C'est très moche. Et comme dit, je dois remarquer, était là. Mais voilà, le jeu, pour le coup, ça fait vraiment du Mountain Blade 1 avec pas mal d'amélioration, mine de rien. Okay. Quand même bien sympa. Oh bah ils m'ont quasiment tout laissé. Oh c'est un peu abusé, ça. M'attendez pas à autant. Voilà, bon bah je vous laisse. Et pour ceux qui voulaient se poser la question de prendre le jeu ou pas, je vous laisse vous faire votre idée. Moi je sais que c'est le genre de jeu où je vais fermer comme un gros con pendant des heures. À la prochaine.